Mais ce serait pas l'heure du bookshelf tour, madame la bouquinade? Bah si, venez. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Je crois qu'on me demande mon bookshelf tour depuis longtemps. Et j'ai enfin plutôt rangé cette pièce bibliothèque, je pense que le caméraman pourra tester. Oui, oui, oui. Elle a rangé, c'est comme ça maintenant. Pour cette occasion du coup, j'ai mis les petites décos d'Halloween et du coup on va pouvoir regarder tous les livres qu'il y a sur mes étagères. Le bookshelf tour, enfin, quoi de mieux de vous le proposer pour cet automne? Je sais qu'on va me poser la question. Pour les bibliothèques, en fait, il s'agit des bibliothèques Billy de chez Ikea, tout simplement, en noir. En ce qui concerne aussi l'ordre de classement, je range par ordre alphabétique de maison d'édition et par nom d'auteur. Je mélange également tout ce qui est pile à lire et tout ce qui est livre lu. Moi, ça ne me dérange pas, à l'heure qu'il est, d'avoir les deux mélangés. Je me repère plus ou moins bien. Pour cette première partie du bookshelf tour, ça concerne du coup les 4 bibliothèques de romans que j'ai, et ensuite une seconde partie avec d'autres genres littéraires. Si vous arrivez à lire certains titres, vous allez vite vous rendre compte que j'ai beaucoup de livres de l'imaginaire, donc fantasy fantastique, de science-fiction, de dystopie. On a quelques classiques, mais majoritairement on est vraiment sur le monde de l'imaginaire et la SF et dystopie. Et pour devancer également une autre question qui, je suis sûre, je vais avoir dans les commentaires, j'ai plus de 600 livres à ce jour, ça a été compté début octobre, mais nous sommes vers la fin, donc il faudrait peut-être que je me mette à les recompter. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette partie-ci, je vous retrouve juste après.
Et la dernière partie de ce Bookshelf Tour, il s'agit de mes bibliothèques manga, bande dessinée, roman graphique et de ma bibliothèque Harry Potter. Alors là, j'avoue que le classement est très fouillis. C'est un petit peu par maison d'édition, un petit peu par taille, un petit peu n'importe comment finalement. Si jamais, par le plus grand des hasards, vous avez envie de voir une vidéo sur ma collection Harry Potter, n'hésitez pas, je serai très contente de vous la faire. Cette vidéo Bookshelf Tour, j'espère que ça vous a plu. Je crois que j'avais pas refait de Bookshelf Tour depuis que j'étais dans mon studio à Rennes, donc ça commence à dater. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez envie de lire parmi les livres que j'ai sur mes étagères, et si vous avez ressorti vous aussi votre déco d'automne, votre déco d'Halloween. Ça y est, je revis, l'été est passé, c'est bon, maintenant le meilleur moment de l'année arrive. J'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye !